C'est quand même assez stylé de les voir en costume. Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Marvel's Avengers. On lance la campagne solo, normalement on va reprendre directement avec Cap de mémoire. C'était il y a quelques dizaines de minutes pour moi. J'enregistre un deuxième épisode pour être sûr de pouvoir avoir mon dimanche pour streamer et pas avoir 46 000 montages en cours à ce moment-là. Donc j'ai un petit peu d'avance, j'ai peut-être 2 jours d'avance, j'aurai un petit peu donc 2 jours d'avance sur les vidéos enregistrées, tout simplement. Et donc du coup, vous aurez 2 jours de retard sur les potentielles mises à jour qui sortiront pendant ce petit laps de temps où on termine l'histoire apparemment, parce qu'on est déjà apparemment proche de la fin de l'histoire. Bon bah, let's go go go. Terminer la tâche, les tenues de Stark. Récupérer les amplificateurs d'énergie sur les synthétiques principaux vaincus, ok. Récupérer les décodeurs optiques sur les riot bots vaincus. Récupérer les puces mémoire sur les synthétiques vaincus. D'accord, donc on a des missions de... Ok. Alpes scandinaves. Nice. Héliporteur. Mission d'entraînement, très bien. Multi niveau 30, niveau de puissance insuffisant. Sauvetage. Nord-Ouest Pacifique. Bah, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement aller regarder si on a des... ce qu'on doit faire déjà en termes de... de carte de défi au niveau de Cap. Bat des ennemis avec des lancers de boucliers. C'est faisable. 85, ça fait beaucoup quand même. Zone de largage à n'importe quel endroit. Pièce d'équipement. Faites un combo de 5 ou plus après avoir effectué une attaque lourde dans l'air. Oula, ça a l'air compliqué ça. Juste pour aller voir un petit peu. Ouh, celle-là est belle. Americana. Celle-là est pas assez bleue à mon goût. Agent américain. Oh, pas de skin sur cette page. Ah, une armure un peu plus classique, ouais, effectivement. Et la bagarre. Ouais, celle-là m'intéresse moi pour le coup. Est-ce que dans les équipements j'ai des choses plus intéressantes? Non. Très bien. La question c'est quel personnage allons-nous prendre afin d'accomplir ces quêtes? J'ai envie de partir sur Thor, j'ai vraiment envie de jouer Thor. J'aimerais juste voir sauvetage, zone de largage. C'est ça qu'il fallait qu'on fasse, des zones de largage. Allons-y. Récompense, fragment, isobite. Oh ouais, mais c'est pas les récompenses qui... Zone de largage, contrôle. Pas le niveau. Défendre les secteurs. Ok. Là, c'est pas la peine. Mission emblématique. Essayons une mission emblématique avec Thor. Le dieu du tonnerre. God of Thunder. Ça par contre c'est sympa les tâches, à la limite j'aurais presque aimé en avoir quelques-unes. J'ai intercepté un échange assez étrange sur une vieille fréquence de l'AIM. J'ai vu beaucoup de choses que les mortels qualifieraient d'étranges. Je vous laisse en juger. Il est presque aussi baraque que moi. Le prototype est prêt, monseigneur. Tu as bien travaillé, loyale servante. Mais... c'est ma voix. Rassemblez les évêques. Oh, ces animations faciales sont... Quelle est cette supercherie? Jarvis. Oh là là. Seulement que la communication a été interceptée en Scandinavie. Je ne possède aucune archive sur des éveillés. On ne peut pas rester sans rien faire. Nous partons immédiatement. Ok. Bon, les animations faciales sont pas ouf, hein. On va pas se mentir. Je peux avoir des copains. Oh, je peux avoir des copains. Alors, je voudrais. Hop, hop. Le boys band, s'il vous plaît. Et let's go go go. On doit découvrir qui sont ces éveillés et à quoi sert leur prototype. Ah ouais. N'oublions pas celui qui se fait passer pour moi. Elle est où ma skin? Non mais où? Je sais que c'est délire. Ah, elle est pas équipée, si je l'équipe je risque de la perdre. Non, je vais rester Donald Blake. Je l'ai trouvé plutôt convaincant. Pas du tout. Ça ne flatte pas ton ego.
Mais je pense que ça cache quelque chose de bien plus grave qu'un simple vol d'identité. Le message a été intercepté dans cette forêt. Mes archives indiquent qu'une base désaffectée de l'AIM se trouve là-bas. Mais les bâtiments sont toujours là. Ça ne ressemble pas à l'AIM. Ils ont pour habitude de tout effacer. Je bois pas assez de café. Le mystère reste entier. Il fait rien. Mio mio. Ah bon? Ah, voilà qui est mieux. L'AIM n'a jamais quitté cet endroit. J'en suis pas si sûr. Ça ressemble pas à leur mode opératoire. Dans tous les cas... J'oublie plein de choses, c'est pas possible. Ouh! Parce que la force attaquée est vaincre les ennemis restaure l'énergie intrinsèque, ce qui permet à la force... Oh! C'est pété. Ah, mon dieu. Ah! Je l'ai pas inventé ce coup-là. Ok. Frappe glissée. Ouh. Allez, on va aller voir d'abord au niveau des cartes de défi de Thor. What? Les canaux, ok, si tu veux. Ils sont belles. Ils sont super belles. Waouh. Faisable. Des ruches, je les ai pas encore débloquées. En l'air, d'accord. Des coups de grâce. Ok, cool. Elles sont assez simples à faire. Donc là, on est à fond. Ok. C'est quoi? Il se bat au point. La compétence au marteau, se battre au point. Ouh. C'est stylé. Le lâcher de marteau. Ah. Pardon, j'ai un truc qui a pas emplumé mon écran. Décharge tenace. Waouh. Idée fixe. What the fuck? Mouais. Alors ça, à la limite, je trouve ça plus débile qu'autre chose. Ça, c'est stylé. Oh! Oh, mais il n'y en a pas une que j'aime pas, quoi. Donc ce sera ça, clairement, le premier point. Faire durer encore plus longtemps. Ah, oh, ça s'est pété aussi. Galvanisation. Oh. Putain, tout est stylé. Chaos divin. Ce combo. Oh la vache. Bon, allez, là où cet appel a été. J'avais dit que ce serait potentiellement mon main, et bah, on y est. Pas tourner le. Il y a l'animation comme s'il était censé le faire tourner, mais il le fait pas tourner. Bon. Ah, bah voilà. Là, il y a eu. Je détecte une unité spéciale hostile près de votre position. Vous pourrez peut-être récupérer des ressources utiles après l'avoir vaincu. La défaite était inévitable. Couché. Allez, reviens. Oh putain. Ah, je vais prendre mon pied. Ah, il m'a mis un coup de poing. Allez, hop. Salut. On a l'impression qu'il y a eu un bug. Nouvel équipement.
Très bien. Ah, il a vraiment un... Cap a vraiment un fond de voix de l'acteur de doublage. Par contre, il y a un truc qui me dérange, c'est que j'avais plein de... de secondaires avant. Endroit. Moi non plus. L'air empeste la magie noire. Mais par là, il semblerait pas qu'il y en ait en fait. Si ? Ça monte là. Je me trompe peut-être, hein. Cherchez un coffre d'équipement à proximité. Bah, je veux bien, mais... On dirait que l'AIM a tout abandonné en partant. C'est ce qu'il semble, mais quelque chose est resté. C'est pas Abomination quand même. Ennemi en vue. Ça m'arrange moi des ennemis en vue. Ou s'ils sont volants. Nul ne peut vaincre le dieu du temps. Éliminez le faux dieu. Comment osez-vous? Je suis le véritable Thor. Je ne crois pas que ces éveillés puissent être raisonnés, monsieur. Couché. Où sont les autres? Oh! Tous ensemble. Je sais pas d'où ça venait ce tous ensemble, mais... Même les éléments m'obéissent. Couché! Allez hop là. Oh, magnifique. D'accord, on récupère des ressources sur les adversaires, c'est cool. C'est ce qui était prévu. Je me demande oh, le combien pauvre. D'éveillés sont présents. Un grand nombre, je pense. Mais je ne dois pas les anéantir. Ils sont manifestement ensorcelés. Qu'est-ce que c'est que ça? Un monument malsain dédié à ma personne et... au chemin du retour. Quoi que ça puisse être. Bon, on doit en savoir plus. Ok, prudence. C'est très bizarre. Ah, d'accord. Très bien, Jarvis. Je vais analyser le monument pour obtenir des réponses. Encore un ennemi vaincu. Du loot, le sacro-saint loot. S'il vous plaît, raté. C'est génial, le coup du rebond. Le monument semble être une sorte d'émetteur de signal. C'est pour ça qu'on l'a identifié comme étant la source de l'appel. Il est kiffant à jouer. C'est assez ouf. Je sais pas à quel point j'avance dans mes trucs, j'ai pas l'impression d'avancer. Autant pour moi. 3 coups de grâce sur 10. Battez des ennemis quand vous êtes dans l'air, d'accord, c'est pas les combos aériens, c'est quand vous êtes vous dans les airs. Ça va être faisable en fait. Les ruches, ça avance pas, c'est normal. Et la foudre, il va falloir que exactement. Je... Il est lié à une structure proche qui vient de commencer à émettre d'étranges signaux énergétiques. Alors, coffre. Mission est claire. Notre imposteur a sûrement un lien avec cette machine. C'est ce qu'on doit découvrir. Appelez. Pas mieux. La structure est scellée. Mais je devrais pouvoir prendre le contrôle des portes principales. Est-ce que les éveillés te rappellent quelque chose à toi aussi? Oui. Ils font soit partie de l'AIM, soit de ses branches les plus radicales. Ah, il y a pire que l'AIM. Les AIM, ils sont gentils en fait, en vrai. Ok. Si vous me le dites pas, je suis pas prêt de le savoir. Hein. Nous vaincrons. Il y a un coffre d'équipement à proximité. Nous les vaincrons tous. Hop, il s'appelle Reviens. Hop. Il s'appelle Reviens. Hop. Tu t'inclines face au fils d'Odin. Oh. Oh. Le pauvre. Valait mieux que je le finisse moi-même. Permets que je fasse mes... Voilà. Oh. Ah.
Hulk Buster, toujours buggé malheureusement. Oh merde. Quelqu'un peut m'aider ? Deux secondes. Oh. Il fait tellement mal. Hop les gardiens célestes, terminé. Ok, maintenant... Oh, ça c'était Hulk. Hulkbuster, putain. Faudrait que j'arrive à déclencher une... Ce combo est tellement ouf à utiliser. C'est presque étonnant qu'il soit donné comme ça d'entrée de jeu. Ça c'est clairement meilleur. Hop. Bon. Concentrons-nous un petit peu. Les okay. étranges signaux énergétiques s'intensifient. Ce n'est probablement pas de bon augure. Compris. Compris, tu me fais chier. J'ai trouvé qu'il y avait un peu de ça, moi, personnellement. Mm-hmm. Ok. Oh, mais je reconnais un petit peu cette... Il y a pas une apparition de monstres, normalement. C'était pas des monstres, c'était mes copains. Hop les. Ce culte pourrait être doré. Affilié à l'AIM d'une manière ou d'une autre. Je vais continuer à chercher. Des fois ils s'arrêtent, des fois ils s'arrêtent pas, et c'est tant mieux hein. L'AIM est ici. Oui, mais moi j'ai envie d'aller un peu plus loin et récupérer les objectifs secondaires, monsieur Odinson. Monsieur fils d'Odin. Nul ne peut vaincre le dieu du tonnerre. Non seulement cet imposteur m'insulte, mais il souille Asgard tout entier. Du calme, Odinson. On va le retrouver. Il y a un conteneur de ressources spécial à proximité. Les éveillés semblent avoir stocké des équipements de l'AIM non loin d'ici. Ah oui, c'est vrai, c'est que du cac, ces trucs-là. Hop les. M'aide pas Hulk hein. Hop les. Hop. Hop. Et Golden Chest. Oh. Elle est tellement nulle cette phrase. Level up, level up, level up, level up. Hop, on va aller mettre notre point de compétence. Ça pourrait déjà être stylé. La quantité maximum d'énergie. Les deux sont complémentaires. Oh. Non, le coup de boule. Le coup de boule est nécessaire. Wouh, c'est déjà ouvert, cool. Et... Oh, du loot. Je pensais que ça allait être des ressources, que des ressources et uniquement des ressources, mais non, il y avait du loot. Très bien. Je prends. Et donc, mes points, ils sont... Me suis fait baiser ? Pourquoi c'est verrouillé? Je devrais être là. Hein. Bon, on va considérer que c'est pas affiché. Et que du coup, ce n'est pas grave. C'est simplement pas affiché parce que je n'ai rien gagné. Les étranges signaux énergétiques s'intensifient. Ce n'est probablement pas de bon augure. Compris. Ok, compris. Je suis pas heureuse. Je suis hébreuse. Ça se dit pas, mais... Une référence à South Park. Avant que quelqu'un
Oh. Je l'ai vu le missile arriver, mais bon. Allez, dégage. Cherchez un coffre contenant des ressources spéciales à proximité. Oh ben. Inutile les enfants. Ouh. Viens là toi. C'est tout. Je ne recule jamais. Bon bah pendant que vous êtes occupé, moi j'ouvre le coffre. Fait super mal. J'aurais bien aimé qu'il... qu'il accepte de devenir un... ah. Un ennemi avec le E, mais apparemment non. Tiens, prends ça toi 2 secondes. Je reviens. Ah bah non, t'as tout bouffé en fait. Reviens. Ah non. Non. Pas de chance. Ok. Bon bah, next. Voilà l'entrée. C'est mignon ces trucs Ah, encore un piège. Si nous détruisons les transformateurs à proximité, cela devrait désactiver les systèmes de sécurité et nous permettre d'entrer. Volontiers. Ok. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. S'ils pouvaient être plus paquets. Voilà. Ça, c'est la classe. Ok, je l'ai eu. Il est raté. Ah. Oh, héros à terre. Et dans le noir. Captain. Oh. Touché. Pardon, c'était toi. L'homme de fer blanc. Ah. Ah, elle était détruite, cool. Ah bah ils les ont détruites. Ça c'est Captain qui arrivait là on sait pas comment. Il n'en reste plus que 2. Toi le flanc. C'est tellement stylé. Hop là. Oh. Oh. Cette vexation. Pff. Ok. Ah. Oh. Quel coup puissant. Ah bah. Ah bah je suis tombé. Le loot que ça a fait pleuvoir. Excellent. Ah. Et vous êtes très nombreux. D'où sort ce truc? Oh là. Avec 11 points, j'ai forcément récupéré quelque chose. C'est stylé. Ouvrez les portes.
Bon bah tant pis, je pensais qu'il allait y avoir plus de monde. Ah mais il en reste un. Je prends tout mon temps en me disant c'est fini, mais non. Allez, couchez. Oula, les étincelles, si elles pouvaient disparaître. C'était le dernier. Merci. Alors. Ok, je me fais baiser. Ah, pour m'afficher à la boutique, y'a pas de soucis. Par contre, pour me faire gagner des points. J'aime pas me faire baiser. Je sais, c'est vulgaire, hein, mais. T'es mort! Tu m'avais manqué, Unirayon! Avengers, en avant! Ok, reviens par là, toi. Merci. Il reste qui? Hop, 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 reviens. Que reste-t-il? À part du loot! Bah, alors, c'est bon. Ah ah! Oh bien. C'est tellement fun à jouer. Si vous saviez, mes amis. Est ouverte. Qui cool. Ose forcer l'entrée de notre sanctuaire sacré? Charlatan! C'est moi, le véritable dieu du tonnerre. Alors affronte-moi! Que ton imposture soit dévoilée. Ça, c'est ouf, ça. Bienvenue, intrus. Thor. C'est vraiment bizarre. Oh merde. Un instant. Un par un. Et bon. J'imagine qu'il y aura un moyen de... Tôt ou tard, un moyen de comment de... De recycler tout ce qui n'est pas de bonne qualité, par exemple. J'ai recyclé un premier Mjolnir, un deuxième Mjolnir, un troisième Mjolnir, un quatrième Mjolnir, un cinquième Mjolnir. Et je n'étais pas digne d'eux. Du coup, je les recycle. Hop, et au niveau des points de compétences. Oh, on va se faire plaisir. Hein. Non, c'est bon, je viens de vider mon. Imposteur, et nous verrons qui est digne de porter le nom de Thor. La foi de mes fidèles ne fait aucun doute. Éveillez! Écoutez-moi! Le faux dieu est arrivé! Détruisez-le! Très très cool. Très 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 cool. Encore un. Psst. Et du coup, je vais affronter un autre Thor. Viens te battre, charlatan. Oh. Je ne souillerai pas Mjolnir avec ton sang impur. Mesure-toi plutôt, Amar. Doublure officielle. Donc ça, en fait, j'imagine que c'est la skin qu'on va récupérer. Et tourelle d'abord. J'ai pas vu venir celle-là. Il fait pas son coup de boule en l'air, c'est dommage. Attention les yeux. Merci Hulk. Ok. On a pu limiter un petit peu déjà l'ombre d'ennemis dans la zone. Ça va pas fort, hein. Je suis là. Merci bien. Wow. Joli.
Oh, elle est encore buggée. Vous avez eu de la chance, mais j'ai couvert nos traces. Vous ne nous trouverez jamais. Je tiens le pari. Vous me faites pitié. Hello. À vous associer à un imposteur. Erreur d'identité. C'était rigolo. Oui, j'ai bien compris que c'était passé niveau 5. Tu peux me le redire une troisième fois, s'il te plaît? C'était assez fun. Ouh. Habit de roi des dieux. Ça va aller? Ce faux Thor promet à ses fidèles qu'ils le rejoindront à Asgard. S'il cherche vraiment à ouvrir un passage, il risque de provoquer un grand malheur. Cette femme, elle fait plaisir. A parlé de documents. Je dois les trouver. Est-ce que du coup on va au bout? Il y a peu de chances pour que des archives numériques existent. Je dois essayer. Le nom de Thor a été utilisé pour répandre un mensonge. Tellement stylé, mais. Où je mourrai en essayant. Où est-ce qu'il est? Masse, frappe glissée. Il y a autre chose que j'aimerais. C'est ça, non? Ouais. Faire tourner le marteau, c'est tellement emblématique. Soyons fous. Ok. Ok, ok. Retournons, si possible. Est-ce qu'il y a moyen de retourner au... Chimère ? Synthoïdes principaux vaincus. Je sais même pas où est-ce que je suis censé les affronter les... Ah, non. Une deuxième mission? Non. Oh. D'accord. Zone de largage, sabotage. Soyons fous. Allons voir. Il y avait sinon se rendre à l'avant-poste, ce qui était peut-être pas une mauvaise chose. Allez, lançons la mission. Ah, il est kiffant Thor à jouer. Avengers, nos agents sur le terrain ont localisé un abri de données de l'AIM. Et il est loin d'être facile à jouer. Sur de nouveaux synthoïdes de combat qui doivent absolument être détruites. Vous devrez entrer, détruire les serveurs. Et ressortir avant que l'AIM n'envoie des renforts. Je suis curieux de savoir la différence qu'il y a en termes de combat quand il utilise son marteau au combat au corps à corps et quand il utilise ses poings. Je suis sûr qu'il y a une différence du style, il y en a un qui fait des dégâts, l'autre qui fait de la commande du choc. L'AIM possède une série de turbines alimentant un de leurs générateurs. Une espèce de dualité. Détruisez-les. Boule de feu, les dégâts de plasma impliqués par les joueurs augmentent. Infligés par les joueurs, d'accord. La présence des synthoïdes principaux, nice. Ça fait plaisir. Les hommes sont là. Dommage. Ah, ça y est. Estimez-vous heureux, je suis un dieu. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Tu t'inclines face au fils d'Oda. Ah, c'est kiffant. Glung glung. C'est parti. Personne? Bien beau. Oh là, la caméra qui bug. Détruisez les turbines. Ah, c'est cette mission là, d'accord. L'AIM a déployé des troupes pour vous arrêter. D'accord. Peut-être de ça.
qui m'arrive. Cette turbine est hors d'usage. Excellent. Bunker. Je crois que t'avais lâché du bleu. Et je vois du vert là-bas, donc... D'accord, ça serait bien en fait ses AOE à lui. Oh, gâche. Tiens, va voir ailleurs si j'y suis. Ah. Oh. D'accord, c'est à cause de la hausse. Vous avez détruit une turbine. Ouais, ouais. Bah écoute, on fait ce qu'on peut. Encore un ennemi vaincu. Salut toi. Ok. Tu vas pas vouloir te laisser faire, j'imagine. Stylé ça. Je sais pas ce que j'avais à gauche comme objectif, mais la AOE était plus importante. Oh t'as pas moi. Bon bah Hulk tu me déranges pas du tout hein. C'est un coup à perdre bêtement. Hop là. Je prends. Oh du violet, je passe à côté de loot violet quoi. Il est tellement important ce loot. J'ai jamais fait gaffe qu'il y avait cette partie là au-dessus. Excellent. Turbine neutralisée. J'ai un petit problème. Tony? Wow, moi aussi. Ton chevalier en armure est là. C'est à ça. Oh dodo. Ah! Faut pas que je le mette en blanc, Tony! Aïe! Oh, mais. Putain! Le drone? De merde! Voilà! Aïe! Pas l'impression de faire beaucoup plus de dégâts. Le générateur est hors. Peut-être que ça se débloquera au fur et à mesure. On a fini ? On peut plus bouger le personnage. D'accord. Alors, j'ai pas vu de synthoïdes principaux. Je sais pas à quoi ça correspond. C'était parfait, Avengers. Vous avez semé le chaos de façon remarquable. Ah, la perte de ces données est un coup dur pour l'AIM. Encore quelques-uns comme celui-ci et ils devront tirer leur révérence. Il m'affiche continuer la campagne, donc j'imagine que... Voilà. Salut Cap. Mes chers concitoyens, nous sommes actuellement avec des manifestants qui se sont rassemblés pour lutter contre la menace qui pèse sur nos libertés. Ce matin, les chefs de toutes les agences militaires majeures ont été capturés par les nouveaux adaptoïdes de l'AIM.
La panique s'est déclarée quand les gens ont vu les vaisseaux de l'AIM survoler les grandes villes du pays. Tandis que l'armée commence à se mobiliser, une forte tension s'abat sur la nation. Bien sûr. Mes inventions, c'est... Ce sont... mes inventions. Attendez, il se passe quelque chose. Attention, activité inhumaine détectée. Veuillez évacuer la zone immédiatement. L'AIM assurera votre protection. Monsieur, je capte un signal de détresse d'un sanctuaire de la résistance à New York. L'AIM essaie de nous piéger. Si on leur porte secours, ils feront croire qu'on Peut-être que ça nous nuira. Mais si quelqu'un a besoin d'aide, alors on l'aide. Faites ce que vous avez à faire. Nous partons à l'aube. Ok. Et Cap, ça change un petit peu le ton. Tu nous as envoyé les informations qu'il avait sur New York, si tu veux jeter un œil. Rejoins-moi au labo de Tony. J'arrive. J'aimerais comprendre pourquoi j'ai pas beaucoup de FPS, cela dit. Juste vérifier un truc, j'ai rien d'ouvert en plus. J'ai pas beaucoup de FPS, le jeu est vraiment optimisé avec les pieds malheureusement. Mais encore une fois tout cela ça se corrige. On a débloqué quelque chose ici? Nope. Ouh. Salut Nat. Alors Nat, qu'est-ce qu'on a? On dirait que Pim traque ce truc depuis qu'il est apparu dans le ciel. Il ne semble pas suivre un itinéraire spécifique, donc on peut pas anticiper ses déplacements. Pim pense qu'il réagit aux alertes d'activité des agents de l'AIM en plus de ce que lui indiquent ses propres capteurs. Il va nous voir arriver. Probablement. La Résistance nous transmettra ses données pour qu'on puisse le localiser à tout moment. Ça pourra toujours nous servir. Parfait. Prépare le Quinjet. Je veux qu'il soit prêt à décoller au plus vite. C'est comme si c'était fait. Cool. Cool. Forteresse volante. Pour commencer la mission suivante. C'est parti. Ah, littoral est. C'est parti. Oh, en plein jour. KO à Manhattan. Nice. Ah! Bah... Ouais. Campagne 48% terminée. Ok. Bon, et maintenant on fait quoi? Je ne sais pas si on va pouvoir entrer en ville sans se faire repérer. Il y a des chances que ta résurrection ne passe pas inaperçue. Alors il va falloir trouver quelque chose pour attirer leur attention. Comme par exemple un fils d'Odin. Je vais les occuper avec quelques éclairs. Ils ne te verront même pas passer. On nous appelle, monsieur. Prends l'appel. Quelqu'un nous entend? Ils nous ont retrouvés. Ils disent qu'on doit être soignés, mais on sait ce que ça veut dire. Pitié. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un a trouvé une radio? Ne crains rien, mon enfant. Vous serez bientôt tous guéris. Jarvis, oh là là, le mec se prend pour un sauveur. Un instant, monsieur. L'appel provient d'un appartement dans la zone à évacuer. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il l'évacue? À cause de nous, les inhumains. Pour eux, nous sommes une infection. L'AIM fait croire aux gens qu'ils sont dangereux. La situation empire d'année en année. Ah, je peux pas le prendre, le crochet. Ah, puis il sait pas nager, Captain. Ah, merde. Il est pas très fort, le coup de bouclier. Voyez ? Alors, est-ce que j'ai des points de compétence ? Non ! Parce qu'il est niveau 1, mon capitaine. Ah là là ! Tant à faire et si peu de... d'expérience.
Cherchez un coffre d'équipement à proximité. Fais de mon mieux. What? Je me suis fait one shot. Ça va être tendu. Merci Hulk. Oh là là. Oh ça va être tendu. Ah bah oui, mais c'est son niveau de puissance 15 et moi je suis niveau de puissance. Ah bah ça va, 11. On va pas être si compliqué. Ok. En vrai, il est plus fort que ce que j'avais l'impression qu'il était. Après, Hulk, si tu prends toute la place. Comment te dire que ça va pas le faire? Ok. Je l'avais même pas vu. Sinon, il y a un mec là, les mecs. Merde, j'ai envie d'éternuer. Ouah, ça fait mal. C'est remonté jusque dans le cerveau. Voilà. Alerte intrusion. Code rouge. Tenez bon, on va vous sortir. Nope. Ces cellules d'énergie contrôlent le mécanisme de fermeture. Et où ils sont les autres boutons? Ah, ils sont à l'intérieur. Ok. J'imagine que la première a été reset, même pas. What? Ok, ça y est, on a réussi, tant bien que mal. T'allais pas me donner du loot, hein. Oh là là. Fine. Ok, 150 mètres, on va là-bas. C'est marrant, ce bâtiment tout en jaune me fait penser à The Division. Forcément. Ça va, il a quand même une bonne distance de saut, hein, notre capitaine. Hop là. J'aimerais bien pouvoir le faire aussi. Ah. Onze de puissance. Ah. Ah, c'est pas considéré comme des surfaces. Salut. Je suis hors de portée. J'ai la haine. Les objectifs secondaires d'abord. J'arrive. Je détecte une unité d'élite de l'AIM près de vous. Battez-la et vous obtiendrez peut-être quelque chose d'utile. Allez au-dessus. D'accord. Allons-y. On va pouvoir utiliser le... l'ult de Captain. Hop là. Bouclier en vibranium, toujours prêt. Vous risquez de le regretter. Ouf. D'accord, je sais pas comment il utilise son bouclier, Captain. Ce que je sais par contre, c'est que je prends cher. Je me défends, mais je prends cher. Ok. On a trouvé un protecteur. 138 mètres, on va par là. Hop. Ah, j'ai pas pu me diriger en plein vol. Cherchez un coffre contenant des ressources spéciales à proximité.
Un allié de la Résistance est en difficulté dans les environs et a besoin d'aide. Putain, on dirait une zone d'un autre événement. La map est géniale. Où est-ce qu'il est? Hello? Merde, j'ai raté. Où tu es? Mais... Ok. J'ai cru voir un bouton E à un moment, mais... À moins que... Bah je veux bien t'aider mais Ou alors je suis aveugle mais Pas les fenêtres. Ça. Écoute, j'aurais bien aimé t'aider, mais J'aurais beaucoup aimé t'aider. Ça me semblait être la bonne chose à faire, mais... Ah, peut-être que je suis bloqué dans cet événement-là avec le truc, parce qu'il en a pas parlé... S'il en a parlé. Il manque 10 cm de saut à Captain. J'espère que c'est pas que pour le saut qui lui manque 10 cm. Enfin, j'espère que c'est que pour le saut qui lui manque 10 cm. Fait plaisir. On va essayer de voir si ça a peut-être débloqué quelque chose, mais. Et. Lit. Ah. Hauteur maximale. Ça, c'est moche. Oui, ben j'aimerais bien t'aider, mais... Alors, l'espace d'un instant, Captain était complètement bloqué, donc je me dis que... De toute façon... Bugger pour bugger, les amis. Captain Cirque. C'est le capitaine. Mon armure est solide. Ok. Ah. Quand j'ai vu l'ombre, j'ai cru qu'il descendait. D'accord, ça fait plaisir. Ah, c'est même pas moi qui le finis.
Et c'est pas mieux que ce que j'ai. Ça va être compliqué, hein, la fin avec un capitaine qu'on n'a pas amélioré. Allons-y, parlez-toi. Ah mais attendez. Oh, 19 mètres. Non, en courant s'il te plaît. Oh bah. Franchement y aller un par un. Salut Hulk. Oui je sais, je t'énerve. À la limite de la portée, hein. Oh, mais tu te fous de ma gueule ? Ah non, il veut pas se mettre là, hein. Ça c'est... Franchement, alors là par contre je vais le dire, hein. Là c'est méchant, hein, ce que je vais dire. Mais en 2020 c'est pas normal. Pourquoi tu baisses toujours les yeux, Captain ? Baisse les yeux, t'as peut-être raison, mon préto. Ok. 141 mètres par là-bas. Allons-y. Un allié du Shield est en difficulté dans les environs et a besoin d'aide. Ah bah j'espère qu'il est pas bugué celui-là. Ça me ferait chier. 34 mètres, il est à être encore une fois dans le bâtiment. J'ai cru entendre des gens. Où est-ce qu'il est ? Hop là ! C'est fait ! Boum ! Stylé ! Très stylé ! Très 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 stylé. Oh du loot, ça y est. J'ai eu peur qu'il m'en donne pas. Ouais, du loot moins bien, cool. C'est pas grave. Théo, faites le nécessaire. Vous êtes en sécurité maintenant. Bon bah quête principale maintenant. Waouh. Sur les câbles électriques, tu fais pareil. Bzz, non. Fallait la faire, fallait la faire. Hop là. C'est juste. Quand je vois ça comme ça, là, la vision que j'ai quand il court, j'ai l'impression de jouer à Fortnite. Pourtant, j'y ai pas beaucoup joué, hein. Enfin, à une époque, j'y ai beaucoup joué, mais pas au Battle Royale. Ok, on y est. Ok.
Et de une. Merci Théo. Fureur guerrière, dégâts accrus, nice. Merci Thor. Du loot. Du divin loot. Au revoir. Du loot, une étoile qui n'est pas mieux que ce que j'avais. Cool. Toujours plaisir. Ah bien. Je pouvais pas lancer le bouclier. Formation d'attaque. Non, apparemment je peux pas. Ah si, c'était avec le 2, j'utilisais la compétence 3. Attention. Il continue de taper. Ah, du bleu, c'est mieux. Et du blanc là-bas. Oh, je pensais que je l'avais esquivé. Encore du blanc. Libérer, délivrer. Libérer, délivrer. Loot. Équipement. 13 de puissance, ça fait 12 au total. Et maintenant. Il y a un mec là-bas. Il me dire que y a un mec qui est à 50 mètres de la zone, mais elle est pas sécurisée. Elle est hypercute et c'est fini. C'est bon. C'est bon. Merci. C'est bon. S'il vous plaît, il fouille la ville à la recherche d'inhumains. Nos amis se rendaient dans une planque. Niveau 2. Ah, elle a déjà plein de trucs à débloquer. Ça, c'est pété. Ne renvoie pas les attaques de rayon. Ah ah. Ah bah oui, mais ça c'est nécessaire. Le multi-combo, c'est nécessaire. Partez maintenant. Mettez-vous à l'abri. Next. Il faut qu'on se dépêche. On sait pas combien ils sont. J'ai localisé une autre cellule de confinement. Comment on a pu laisser ça arriver? On a une chance de les arrêter maintenant. J'ai l'impression de jouer sur un mauvais PC quoi. Alors que c'est loin d'être le cas. En fait, c'est ça son astuce, c'est pas lui c'est pas sauter de toi en toi. C'est courir. C'est vrai. Oh. Ce qui est mort devrait rester mort, Captain. Et les faibles devraient laisser la place aux plus forts. Ça me rappelle quelque chose. Eux aussi ont perdu. Il est encore vivant lui. Je l'ai vu qu'après. Hop les bouffe. Et couché. Joli. Retrouvons les inhumains. On sait qu'ils sont armés jusqu'aux dents. Et qu'ils adorent s'écouter parler. Ça me rappelle quelqu'un. Oh, je me sens observé. Avengers, au secours. Oui, alors je demande qu'à te sauver, mais. Merci pour votre aide, Avengers. Je t'en prie, le plaisir est pour moi. Tu loot? Ouais, c'est toujours ça de près.
Toujours ça de prix. Très bien. Next. Oh. Ah non, je voulais que tu cours dessus, moi. Ah bah tu le fais pour 3 cm par contre. Lâchez-moi. Allez, Captain. Protégez les inhumains. Avengers, au secours. Attrapez-les. On doit mettre un terme à l'infection et aux souffrances. Nous ne sommes pas infectés. Salut les mecs. Éliminer les ennemis? C'est des ennemis, ça. J'attends. C'est fun. C'est très fun à faire. C'est très très fun. Hop là. J'arrive. C'est dangereux ici. Mettez-vous à l'abri en attendant qu'on sécurise la route jusqu'à la fin. Ok, on y va. Deuxième point de compétence, je dis pas non. Attendez. 4 ricochets à 5 ricochets. C'est quoi ça? Renvoi de bouclier. Après avoir affecté un ricochet, puis pour un color. Oh! Le docteur Pym nous envoie des agents. C'est pour tellement stylé visuellement. Hors de la ville. Il les a prévenus, mais ils sont coincés à l'intérieur. Je transmets le code d'entrée de la planque. Je viens de l'utiliser, le point de compétence. Tu te calmes, le jeu il suit pas. Cet objet volant se dirige droit dessus. Les patrouilles. Ah, par contre, ça c'est possible. Appelez. Heureusement que l'un de nous peut voler. Il faut qu'on les fasse sortir de là. Et c'est où? Ok. Vendu. Allez, cours. Il nous bloque la route. Ouh. Ce n'est pas un hasard. Comment je le cale? Attendez, pourquoi j'arrive pas à le caler? C'est appuyé sur F ou c'est appuyé sur clic gauche? Il est à moi. J'arrive pas à le caler, le... Un de leurs agents a été neutralisé. J'arrive pas à le caler. C'est assez écœurant. Ah d'accord, attendez, je crois que j'ai compris. C'est terminé. Eh bien. Excellent. Je crois que j'ai compris, mais là j'ai pas assez de points de vie pour me permettre. C'était pas ça, non? Ça passe pas. Beau travail. Cet agent est hors d'état de nuire. Alors. Après avoir effectué un ricochet. D'accord, c'est avec un ricochet. Il lève le bras. Allons-y.
arrive quand ? Ces agents sont en route, mais ils ont encore besoin de temps. Je sais pas combien de temps on a. L'objet volant arrive. Aucune idée. Par contre, la map est gigantesque. C'est assez cool. La planque n'est plus très loin. Je détecte que c'est très très vide d'un coup. Un dérivé du térigène. Mais je n'ai jamais rien vu de tel avant. Est-ce que je suis en danger ? On l'est tout le temps, non ? Pas faux. C'est parti. Les relevés indiquent une concentration plus forte ici. Vous devriez entrer. Oh ! Les Avengers ? Ah, ouais. Les copains. Je sais pas. Content de vous voir. Ok, c'est bon. Impossible. Ils ont cette chose qui traque les inhumains. On a essayé de sortir, mais ils ont des yeux partout. On s'occupe des chiens de garde. Ne vous inquiétez pas. C'est pas eux le problème. C'est ce truc, dans le ciel. Il est là. Restez à couvert en attendant que la résistance vienne vous chercher. Thor, je crois qu'on va avoir besoin de soutien aérien. Quelle que soit cette menace, j'irai l'affronter dans les cieux. Augmentation du niveau de térigène. Activation des masques respiratoires. Pourquoi faire ? Attends, c'est un villa pas beau ça ? Oh ! D'accord. Ok. C'est la version aérienne de ce que j'ai cette déjà buté. Cette machine est la source du térigène altéré. Elle a été modifiée génétiquement pour repérer le gène inhumain et éliminer son hôte. Cette machine tue les inhumains ? Pour longtemps. Oh, cette typose ! Oh non, mais... Qui c'est qu'on appelle ? Hulkbuster ! Est-ce qu'on peut... Ou alors, il faut un timing de ouf ! Ce qui est possible, hein. Ok. Oh, puis le jeu a pas aimé. Cibler les points faibles. Moi je veux bien, hein. J'ai Captain America, hein. Pour sauter c'est pas... peut-être plus simple. Pète fouf. Ah d'accord. C'était un point faible ? Ce sont des tourelles, je croyais que c'était des... Bon, niveau 4, on va en profiter. Alors ça, c'était nul à récupérer, que ce soit bien clair. Après une parade. Après avoir effectué un ricochet, appuyez sur lorsque le bouclier revient. Ça va être tendu à placer à mon avis. On va essayer ça. Ok. Il a essayé de le faire le coup de pied, mais...
Ah, peut-être qu'il le fait en fait, le coup de pied depuis le début. Je sais pas si c'est un... Bien joué. Point faible détecté. Où ça ? Ça y est, je le vois. C'est au-dessus et à l'arrière. Très bien. Oh, c'est pas le combat le plus... plus fun du monde. Ah bah, très bien. Que je vous montre toutes mes armes. Ok. Pourquoi ça part pas? Il renvoie pas le bouclier, c'est nul. J'ai payé un point de compétence pour ça. Oh. Attends. Oh. D'accord. Ok. Viens le comprendre. D'accord, il les avait pétés. Ok. La suite ? Je sais pas si je lui fais... Ok, là j'ai dû lui faire quelques dégâts supplémentaires. Ça y est! Il l'a fait! Cette fois-ci je l'ai vu faire. Ok. Et maintenant? Ah, je suis dans le rayon tracteur. Mes arrières. De rien. J'ai rien fait. Aïe. Donc c'est une question de timing. Oh putain. Ah ok, cool. Je remonte. Merci du coup de main à Thor et Iron Man, qui comme d'habitude vol. Ah, je l'ai pas vu le deuxième. Mais ne font pas le taf. Oh, il y en a un en dessous de la gorge. Je m'en doutais. C'était gros comme un camion. Aucun de mes boucliers n'est allé dessus. C'est cool parce que un des points positifs que j'ai pu lire dans les nombreuses reviews, c'était le fait que l'IA était bonne. Bah, elle va pas faire le taf en tout cas. L'IA alliée était bonne, pardon. Hein. Je précise quand même le exactement ce que. Augmentation du niveau de térigène. Activation des masques respiratoires. Oh. Cette machine est la source du térigène. Tout le combat. Altéré. Elle a été modifiée génétiquement pour repérer. Bon, l'avantage c'est que maintenant je sais quoi faire. Éliminer son hôte. Cette machine tue les inhumains. Plus pour longtemps.
J'ai même pas vu qu'il y avait les scratchs pour expliquer que c'était par là qu'il fallait remonter. Hop là. En tout cas, ça risque d'être plus rapide maintenant que je sais quoi faire. Next. Faible détecté. Il veut pas lancer son bouclier. Ah, comme le monde est petit. Joli combo. Ah, comme le mandait. Ah, vache. Le timing est pas le bon. Ah, ça par contre, le renvoi, c'était ça. Ah. Continuez comme ça. Ils l'ont eu ou ils l'ont pas eu? Ok. Mauvaise idée. Oh, le coup du missile qui fait un 180 pour revenir, c'est vexant. Joli. Ok, on l'a eu. Monte ta tête. Attention. Nettoyage. Yes, on l'a calé. Ok. Santé. Et pas les pieds. Oh, ce missile. Le framerate me baise. Des ennuis par ici. Ouf. Eh, hey, merci. Ah la vache. Non, pas encore. Ouf. J'ai réussi à récupérer de la santé. Full life. Oh. Thor, Iron Man, vous pourriez peut-être vous occuper de toutes ces tourelles. Ça y est. Aïe. Wouhou, on l'a eu. Je sais pas qui de nous l'a eu, mais on l'a eu. Wouhou. C'est quoi ce truc? Rapportons sa boîte noire jusqu'aux chimères pour l'analyser. Pardon, je rigole un peu parce que une boîte noire sur un appareil comme ça. Je suis surpris. Jarvis, je t'envoie la base de données du transmetteur du vaisseau de guerre. Trouve-moi d'où il vient. On cherche du plan de vol. Ce terrigène noir. Dalton essaie de tous nous tuer. On doit faire quelque chose. Il peut pas soigner les inhumains, alors il va tous les éliminer. Et il ne compte pas s'arrêter là. Monsieur? Tu as trouvé? Si on en croit le plan vol, la machine serait partie de la baie de San Francisco. Non. Non, c'est impossible. J'ai survolé la zone des dizaines de fois après le EID. Peut-être que c'est une ruse, pour qu'on parte sur une fausse piste. Peu probable. Les radiations résiduelles et les dépôts minéraux sur l'épave confirment que le vaisseau se trouvait dans la baie récemment. Pourquoi personne ne l'a vu? Même chose que pour les vaisseaux de guerre. Camouflage. La quarantaine. Ni vaisseau, ni bateau admis. Sous le nez de tout le monde. Exactement.
Monsieur, je viens d'intercepter un signal. Des vaisseaux. Des centaines qui se déploient sur San Francisco. Non ! Non, des milliers de gens vont mourir si on fait rien ! Alors on trouve la source. Et on la neutralise. Il y a de grandes chances que la source Jarvis, soit Tarleton. Hein. Un plan de vol pour San Francisco. Tout de suite, Captain. Ok. Bon. Si on doit s'attaquer à la forteresse de notre ami à la très grosse tête, à son armée de robots et à sa flotte de vaisseaux de guerre, autant faire ça en beauté, non? Ouais. Ah! Stylé! Très très stylé! Tu vas le dire le truc ou pas? Quoi? Tu sais, Avengers Rassemblement. En fait, on dit pas vraiment ça. Hé, hey, détends-toi, petite. Compris. Ah, dommage! Jarvis, tu as la forteresse ? Cartographie des radiations en cours. Ce cher George a bien travaillé. Pile sur ton signal thermique, Cap. Probablement. Ils sont la tous superbes. Nat, atterri. Kamala et moi, on s'occupe de la tour de contrôle principale. Thor, Tony, détruisez autant de générateurs que possible. Si on stoppe ce signal, on stoppe ces vaisseaux. Hulk ? Fraye-nous un chemin. Wouhou ! Et là, là, franchement, ça claque. Là, le jeu visuellement claque. Hein. Ah ! Et un hangar de moins pour la IM. Enfin, trois de moins. Calme-toi, Stark. Wow, Hulk, me pousse pas comme ça, pardon. Devant eux pour casser des trucs. Oh, tu lui as manqué, ça. Je me souviens de ces moments passés tous ensemble comme si c'était hier. Tu auras à faire des blagues de papa, Cap. C'est bien. Il y en a un qui est en l'air. Ah, ça me chatouille le nez, pardon. C'est des mines. J'avais pas pigé, je crois que c'était du loot. C'est traître. Ah, c'est des mines. Forcément quelque part dans le coin. Je me suis fait avoir par un truc qui ressemble à du loot mais qui n'est qu'une mine. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ça? Laisse-moi deviner. Des robots violets. Ouais. Il peut contrôler ses unités à distance. Élimine-les en premier. Allez, bouffe. J'ai besoin de santé. Ok, celle-là, on l'a eu. Next. Oh, pardon. Oh, c'est dommage. Oh, il me crée un passage. C'est stylé. La partie est finie, genre. Je vous tiens. Optimiste jusqu'à la fin. Vous allez mourir le sourire aux lèvres. Avengers, avec moi. J'aurais bien voulu un monstre plein de rayons gamma dans leur camp. Bah, ils en ont un, l'abomination. Mais il a pas été entraîné en interne. Ok. Les vaisseaux semblent émettre une étrange brume noire. Qu'est-ce que c'est? La population commence à paniquer. Tout le monde crie et s'enfuit. Certains semblent affectés par la brume. Il y a... On dirait que ça déclenche quelque chose en eux. Oh, oh, je crois pas mes yeux. L'AIM est en train de tirer sur les avions morts.
fois, nous pensions que le Terrigène allait changer le monde. Je sais. Et c'était une erreur, George. Ne m'appelez pas comme ça. George a échoué. Madoc, non. On ne peut pas guérir de ça ou de ce qu'on est devenu. Que voulez-vous dire? Le pouvoir ne peut être contrôlé. Je le sais maintenant. Nous devons le détruire. Non. Notre sacrifice restera dans l'histoire, Captain. Je suis content d'avoir au-delà de 100 FPS pour ça. Là, c'est très fluide. C'est magnifique. Je crois que tout le monde a entendu. On va aller s'occuper de cette tour. Et de sa tête. Je te suis. Oh oui. Moi aussi. Il faudrait que le jeu soit toujours à ce rythme-là et avec cette beauté-là. On peut pas atteindre le dernier transmetteur dans le Quinjet. Il y a trop de tirs. On s'en occupe. Hulk qui ouvre toutes les portes. La base du transmetteur. Je vais suivre Hulk. Et essayer de ne pas me tuer en tombant. Bonne idée. Juste une seconde. J'accède au système. Qu'est-ce que... Oh, bof! Vous voyez, je parle de fluidité. Le jeu n'est pas fluide, le jeu est complètement instable. Que ce soit pour des crashs que certains ont ou le manque de fluidité, c'est pas normal. Même dans les camps de chargement, quoi, ça va pas. Et il est sur SSD, hein. Y a de quoi être... On peut pas atteindre le dernier transmetteur dans le Quinjet. Y a trop de tirs. On s'en occupe. J'ai cru voir du loot. On mène à la base du transmetteur. Je vais suivre Hulk. Et essayer de ne pas me tuer en tombant. Bonne idée. Juste une seconde. J'accède au système. C'est très triste. C'est très triste de la part des devs. C'est génial par contre ça. Ça me fait bien rire. Mais Ah, on a gagné un level. Ouais, ok, c'est parti. Hop là. Oui. Faut ouvrir cette porte. Je m'en charge. Surveillez les générateurs du champ de force. S'ils virent au jaune, détruisez-les. Tuez le capitaine Rogers. Sans lui, ils sont perdus. Eh, je crois que j'ai compris ce qu'il vient de dire. Oh, 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 Hulk, y'a une gamine qui t'écoute, vas-y mollo sur les insultes. C'est inutile, Captain. Vous menez les vôtres à leur perte, comme ils vous ont mené à la vôtre autrefois. Et pourquoi ? Une de vos précieux femmes ne saura que vous êtes mort. Wow, il maîtrise bien l'art du monologue de méchant, vous trouvez pas ? Camp d'entraînement. Elle commence à te ressembler, Stark. On y travaille. Elle est géniale. C'est génial. Oh merde, j'ai pas vu que Hulk était dans le coltard. Oh. Oh, je t'avais pas vu toi non plus. Et tirez-moi dessus. Je regarde pas les bons. Je sais pas si je l'ai eu. Cette équipe en jetpack vous ennuie, vous aussi? Il me rappelle une autre armure volante. Oh, c'est pas très gentil de parler de Thor comme ça. Oh, j'arrive pas à croire que je me bats avec les Avengers. Il y a un peu de ça. Hein. Aucun générateur du champ de force viré au jaune. Ce sera bientôt le cas près de la porte. Laisse-moi une minute. Imagine qu'après une sieste de 5 ans, on perd vite patience. Captain attend beaucoup de chacun de nous. Montrons-nous à la hauteur. Enfin quelqu'un qui a la bonne attitude. Hop là. Merci. Ouh. Ah non mais bloque pas dans ta... Voilà. Allez vas-y tire-moi dessus. Dégage. Ouais d'accord je peux pas... Enchaîner une parade et une préparation au lancer. Et bouffe. Headshot. Magnifique. J'ai exposé les générateurs du champ de force, Cap. Détruis ce bouclier. Merci, Nat. Faut que je descende ou... Ah non. Je serais bien descendu en vrai.
Le bouclier a été désactivé. Nat, tu t'en sors avec la porte ? Difficile de pirater et de se battre en même temps. Tu ne t'amuses pas ? Vous voyez ce que je vois ? Ces adaptoïdes, ils ont des pouvoirs d'inhumains. Je les vois, mais on a une mission. On est tous là ! S'en charger. Ah non, il manque Black Widow. C'est parti ! Ah bah je l'ai pas activé. La grosse tête est encore en train de bavasser, vraiment ? Oh ! Alors, je me suis tout pris d'un coup. Impossible de bouger. Ludo, t'as vu ça ? J'ai vu. C'était génial ! Bam, bam ! T'es vieille histoire ancienne, mon pote ! Kamala, je sais, je me concentre. Hé, moi j'ai tout vu et je t'ai trouvé génial. Merci ! Ouais, c'était assez génial. Ah, bien joué. Alors, besoin de ça ? Non, je ne pourrai pas. Oh ! Je l'ai paré pourtant. Il va falloir de la santé. Ah. C'est à ça qu'on reconnaît le gars. Je sais pas si je peux continuer à... Je l'ai esquivé. Ça y est, ça commence à rentrer. C'est plus safe, hein. Ah bon, d'accord. Ah. Oh. Ah, c'est quand même. Une fois que c'est assez fou parce qu'en fait une fois que ça rentre, une fois que tu y arrives, ça devient grisant. Je suis une tête qui flotte. C'était pas sérieux avant ? Oh, la scène rotative, géniale de Marvel's Avengers, le film le premier. Ok. J'ai besoin d'un coup de main, réponse. Oh. C'est princesse réponse pour toi. Il l'appelle réponse. Pardon, faut pas grand chose. C'est ta manière de me demander si j'ai fait du poing. Non, pas du tout. Hey, tout le monde n'est pas un super soldat, l'ami. Je parie 10 dollars que Tony est en pleine cure de détox. Je tiens le pari. Je préfère garder le silence. Ah, je pensais que ça allait parer, mais... Toute ma gratitude. Hop là. Un peu de santé. Ok. Je me sens un petit peu seul. Ok, on en a eu un. Il a régène. Fuck. Oh, je peux pas parer. Du bleu. C'est pour éviter de me prendre le coup. C'est uniquement pour éviter de me prendre le coup. On équipe le meilleur équipement possible parce que là on est limite. A pas gagné de points de compétence, non. Allez Marcus, allez.
J'étais pas hors de portée. Vite. Oh, c'est stylé. C'est ultra stylé. On l'a eu. Nice. C'est bon pour la porte. Romanoff, la manière dont vous avez infiltré ma société était impressionnante. La société de Monica, vous voulez dire? Cap, il a repris le contrôle des portes. Waouh, c'est tellement stylé la fin. Je m'en charge. Hulk, occupe-les. Dès que je fais un compliment, j'ai une baisse de framerate. Je suis dans une salle. T'es la merde. À conduire l'électricité, sûrement pour le dernier transmetteur. Tout est électrifié. Cherche des commutateurs. La IM doit avoir prévu un moyen de tout désactiver pour la maintenance. Ah, je suis juste. Bah, j'ai pas cru qu'il allait y aller dessus. Y'a un truc qui cloche. On n'a pas encore vu les inhumains. Souviens-toi du niveau de sécurité de la prison. L'AIM ne va pas nous les donner si facilement. Mais on peut pas les libérer tant qu'on n'est pas certain que l'AIM ne va pas les gazer à mort. Tony, un peu de tact, s'il te plaît. Oh. Oui. Désolé, Kamala. Non, t'as raison. Il faut qu'on arrête ce signal. Je m'en charge. Couvrez-moi. Captain, vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas entendu les témoignages. Toute cette douleur. Personne ne devrait avoir à vivre ça. Là-dessus, au moins, on est d'accord. J'ai vu ce qu'il se passait quand les gens au pouvoir décident. Il y a un passage. Je ne vais pas laisser l'histoire se répéter. Alors ne nous obligez pas à vivre un autre Heyday. Mais vous et moi ne l'avons pas vécu. Ça fait partie du problème. Ah, il y a un passage, c'est sûr. Hein. Même pas sûr que ce soit faisable. Mais non, il y a une porte fermée au bout, Marcus, t'es con. Hop là. Ok, il y a du loot là. Toujours pas meilleur. J'essaye. Je les voyais pas. Je suis arrivé à monter. Voyons ce qui se passe. J'y suis presque. Salut toi. Il me regarde. Yo, c'est Polygone. Prudence, Cap. Je détecte des fréquences électromagnétiques dans cette tour. C'était trop facile. Ok. Oula. Oula, il est vénère. Montre-leur, Cap. Je vous rejoins dès que j'en ai fini ici. Je ferai de mon mieux. Je dois les pousser à se rematérialiser pour pouvoir les frapper. Tout va bien de votre côté? J'aide Black Widow à cogner les méchants. Continue comme ça, petite. Ok, j'en ai eu un. Pas de problème. Wow. Œil sur la cible. J'ai demandé à Jarvis de déterminer le meilleur moyen de sortir tous ces gens de là. Bon, tant pis. Ne remercie pas. C'est ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Je suis impressionné, Tony. Mais n'oublie pas de parler à Bruce de mon bref moment de maturité. Tu viens de tout gâcher. Allez, dégage. Attention. Ok, je l'ai eu. Allez, frappe.
Aïe! J'arrive pas à être pile. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, le petit headshot sur la fin était pas... pas dégueu. Encore? Ah non. Hop les points de compétence disponibles, cool. Ça peut être stylé, mais j'ai pas assez d'énergie pour ça. Comment je peux augmenter l'énergie? Bah voilà. Oh, soyons fous, l'énergie on va pouvoir l'augmenter plus tard. Éclatons-nous un petit peu. Ouais, c'est bien ce qu'il semblait, ça avait l'air d'être secondaire, tellement c'était caché. Oh, nice. Est-ce que c'est mieux que ce que j'ai? Sans doute pas. Ah, mais j'oubliais, dès que je dis un truc, le jeu me contredit. La source d'alimentation. Non, moi je vais aller dans le cargo. Il est censé être juste au-dessus de toi. Alors on monte. Bah, c'est pas comme ça que je vois les choses, mais... Écoute. Salut! Direction la Chine! Non? Tant pis. On va essayer. Ah bon? Moi je tente ma chance. Ah non, c'est une... Ok. Je vois pas l'intérêt de faire ça alors. Clairement, je vois pas du tout l'intérêt de faire ça. Ah si, c'est pour avoir accès à ça. Et pouvoir dire que je veux faire ça. Oh, c'est pour être stylé. Wouhou! Oh bah alors là. Ah ouais. Soit disant que ma carte graphique n'est pas assez performante pour faire tourner le jeu. J'en doute. C'est honteux. C'est honteux. Parce que je vais devoir me retaper toute la mission. Et si c'est le cas, ça va être casse-couille. Parce que la mission est en plusieurs étapes apparemment. Du coup... Oh, pas une sauvegarde corrompue, il y avait une sauvegarde en cours. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh, le stress se fait sentir. Bon, l'avantage, c'est que c'est record, mais bon. Allez. Déjà, ça, c'est plutôt bon signe. On va voir où est-ce qu'il me fait reprendre. Je suis assez inquiet. Je suis assez inquiet. Mais bon. C'est pas normal. Sur un triple A... J'ai une des plus grosses cartes graphiques du marché. Pour encore quelques semaines. Pas normal. Cool, merci beaucoup. L'esprit l'emporte sur la matière. On dirait que le transmetteur est alimenté par trois noyaux. Élimine ces types. Et je te trouverai un terminal pour ouvrir les boîtiers qui les abritent. Il en arrive toujours plus. Notre cause est juste. Notre nombre importe peu. Marrant, j'aurais dit le contraire.
Comment ça se passe, Cap? Je fais un peu de ménage. Et hop là. Ouh. Je t'ai trouvé un terminal. Ouvre les noyaux. Ça, ça fait très égorgement, hein, par contre. Et les inhumains survivront. Bon. Parti. Oh. Nous pouvons nous en sortir avec toute notre humanité. Nous n'avons pas la même définition d'humanité. Au cas où il aurait pas remarqué, dans inhumain, il y a humain. Ah. On dirait que le cerveau géant vient de recevoir une bonne leçon d'une simple ado. Il faut que je m'occupe de ces drones avant tout. Oh. Ça y est. Faire pareil. J'avais complètement oublié le principe de la parade avec Captain, qui est la base de son gameplay. Oh là. Voyez par exemple là ce qu'on vient de voir, les espèces de toutes les étincelles qui sont figées. Ça, c'est le genre de choses qui charge, qui charge, qui charge. Tu y es presque. Plus l'AIM riposte, plus je me dis qu'on est sur la bonne voie. De sages paroles, Captain. Bref. Hey, bouffe. Vous avez vu le délai entre le moment où le truc, attention, se remplit? Ah, m'en doutais. Beaucoup trop tôt pour l'esquiver. Ça c'est... Ce geste est quand même... De mon point de vue, assez violent. Alors ? C'était le dernier noyau. La transmission devrait être interrompue. Non, je détecte encore un signal. Il vient du site d'excavation. La signature thermique du Heyday qui a causé les séismes. Quoi qu'il se cache derrière ces murs, MODOK veut pas qu'on le découvre. On a de plus gros problèmes, Cap. Merde! Bug de son à ce moment-là, c'est dommage. Je rêve ou il vient de jurer? Merci, Tony. Je suis un peu occupé, là. D'accord. Besoin d'un coup de main? Oui, détruis ces canons. M'en occupe. Moi de même. Bien. Rejoignez-moi. C'est super stylé. Hop là. Comme une fourmi qu'on piétine. C'est parti. Wouhou. Wow. Merci. Merci pour le pont. Hop là. Oh oui. T'en penses quoi, Cap? Oh oui. La balise était sûrement à l'heure. Tarleton arrive encore à transmettre. Vous ne parviendrez pas à contenir la marque inévitable du progrès.
Avengers. C'est stylé. De plus en plus bizarre. Qu'est-il arrivé à sa tête? Vous pouvez me ralentir, mais j'ai assez de bruit pour recouvrir le monde. Plus je vois Thor comme ça, plus je me dis qu'un Thor avec Avengers, une capuche, ça pourrait être stylé. Rien ne peut sortir de la zone de quarantaine. Tony, détruis ces propulseurs. J'ai cru que tu me demanderais jamais. Bon sang, George, oh. Tu tues des gens innocents. De sarcasme, Stark. Ok, détruisez les propulseurs. C'est la tête géante qui tombe du ciel. Pourrait peut-être détruire ces propulseurs. Ok, trouvé. Ok. Faut que je fasse de la recharge. Je les avais pas même pas vus. Ça a beau être bleu et brillant, je les avais même pas vus. Raté. Je crois que j'ai eu le premier. Captain, tout va bien? De deux. C'est ceux de derrière qui vont être plus compliqués à atteindre. Oh la vache. Ok, il est au sol. Mais oui, oui, oui. Le fléau, c'est aussi un mutant. Ok, prends le relais. Déployez-vous tous. Gagnez-moi un peu de temps. Il fallait que cette dernière mission soit comme la première, le ED. Ouh, joli. D'accord. Vous voyez, ça, c'est typique. Le truc dans son dos produit beaucoup d'énergie. Je m'en charge. Peut-être que si tu détruisais son propulseur principal. Bien vu. Ça pourrait me donner l'avantage. Et à terre, Cap. Détruis la source d'énergie. Je pense qu'il va falloir faire plusieurs étapes. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a beaucoup de choses qui sont apparues sur mon écran au bout d'un moment, mais... Aïe. Ah la vache. Mais d'espoir. Oh, cette phrase. Je crois que c'est raté, mon pote. Ah putain, c'est génial de voir les copains qui viennent. On a un Captain America qui vole. En fait, ah oui, non, je peux pas aller là. Je peux pas passer au travers. Ah, bien joué. Il est tendu en vrai. En fait, mon attaque la plus puissante, c'est le lancer de bouclier. Il est à terre. Rassemblement. Et il lui reste encore deux pattes, hein.
Ils nous font plus d'options. Hey, me voilà. Ah. Vectora, cette puissance, frappe-le. Oh oui. J'ai compris. Ok. Alors, j'avais mon... Putain, je peux rien faire. J'ai rien pu faire. C'est assez ouf. C'est à ça qu'on reconnaît une véritable entité. Vache, ils font tellement mal. Ils m'ont remis à terre. C'est ouf! Merci. C'est oufissime. Santé. Niveau 6. Nice. Et du coup ça veut dire que je peux... Deuxième crash au même endroit, enfin même façon de crash. C'est pas normal. C'est tellement pas normal. Oh, triple A et ça crache comme ça, quoi. Pardon, hein, je sais que je suis pas optimiste hein, pour le coup, là. Mais le jeu est sorti sur PC depuis presque une semaine. Ce genre de bug ne devrait même pas être existant à la sortie. Je veux dire, en 20 minutes, j'ai deux crashs. Et encore, je dis 20 minutes, je crois que c'est plus moins d'un quart d'heure. C'est ça qui est pas normal. Là, je vais devoir me retaper tout le combat, sans doute. Ce qui n'est pas un problème en soi, hein. Me retaper le combat, ça me dérange pas. C'est le crash en lui-même, le fait que ça crash, que le jeu ne soit pas stable. Ça, c'est gravissime. Je vais pas jouer en bas. Alors que je suis largement au-dessus des capacités hautes. Mais le jeu crache. Ah bah merci. Merci d'aller au bout de la chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sentinelle crie. Cap, je crois savoir comment il fait tout ça. La gemme sur sa tête n'est pas là que pour faire joli. Je crois qu'on a de plus gros problèmes. Ouais, je m'en occupe. Il a une gemme de pouvoir? Une sentinelle crie. La sentinelle, c'est... Ah bah on va arriver sur elle. Ah bah oui. Logique. Elle va s'agrandir à la taille d'une sentinelle. Non. Mon grand, elle a besoin de toi. Ah. Passage à Hulk du coup. Alors, je vais pas dans la bonne direction, mais c'est pas grave. Couché. Next.
Dans les packs de soins, bah ça si je suis pas soigné comme ça. Hop là. Boum. Bonjour. Tu peux me regarder? Hop là. C'est parti, pouf. T'es bien m'aider Kamala? Non. Et boum. Voilà, je voulais m'écraser dessus. Oh non. Ah, j'arrive pas à l'esquiver ce truc. Hop là. Ça claque. Avec le machin en fond, ça claque. Faut le reconnaître. Attrape. J'esquive les explosions. Oh, il est loin. Il est si loin que ça? Ah, je peux pas le parer, ça. Oh. Ah bah oui, bien forcément. La vache qui m'a mis. Oh. Oh, je peux rien faire, je suis bloqué dans l'animation, non. Ok. Yamala, j'arrive. Lol. Je peux rien faire. Ah là là. Et donc on est mort, du coup le jeu va me dire, ah ouais mais ça va être plus dur. Ah, j'ai perdu mon... Non, c'est pas, il est là. Je vais dire j'ai perdu mon petit élastique, mais non. Allez. Oh, dès le début. Ah non. Quand on y pense, c'est pas logique. J'y pense que maintenant, mais... Il est niveau 4. Pardon, ça me fait moitié rire parce que... Ça veut dire que je suis en train de poutrer le jeu. Ça s'est pété. Oh, je l'ai même pas vu venir. Oh le pauvre. Même moi je lui... Ça spawn de partout par contre. Il me plaît beaucoup moins. Oh, ça fait tellement Iceman. Pas figé.
Ah, mais j'aimerais bien pouvoir réussir à prendre mes adversaires, mais... J'arrive pas à les prendre. C'est vraiment énervant. Voilà, parade. On a réussi. Il faut mettre les gens à l'abri. Voilà. Ouh, c'est tendu. Ah, il s'est fait éclater. C'est rigolo parce qu'elle se protège des rayons d'Iron Man, mais pas... Ah, c'est à cause de la technologie qu'on l'a mis dedans. Alors. Okay. Non, c'est pas ça. Ok. C'est la pierre, le... Ok. Il se protège la tête. Avec le cap. Très bien. Touché. Pardon, je pensais pas que c'était possible. Et je suis agréablement surpris de pouvoir jouer de la manière dont je l'entends. Allez, monte ta tête. Parce que la pierre de pouvoir est violette, j'espère que c'est... Il a pas quand même... Impossible de vous faire entendre raison. Si vous tenez à soutenir Captain America, vous mourrez ensemble. Il fusionne avec ou quoi? Wow. Vise les yeux, vise les yeux. Il va se faire laseriser la tronche. Oh, j'aime pas le voir le rouge comme ça. Ah. Voilà. Il est temps qu'elle ait son big time. Allez, on s'en fout d'eux. Ah ! La bousculade ! La bousculade ! Non ! On s'en fout des méchants, faut aller sauver Hulk. On la joue un petit peu RP. On veut. Tiens bon, oh, si je voulais, je pourrais rejoindre là-bas. Hein. Allez. Je... Oh. C'est parti. C'est là. Ouais, c'est là. J'arrive! Ah bon? Oh merde! Hein? Non! C'est pas comme ça qu'on répare ses erreurs! On a le droit de vivre! Tu penses que tu peux utiliser ce pouvoir pour faire le bien, mais tu n'es pas une héroïne. Tu n'es qu'une erreur. Je suis un Avengers. Enfin, une Avengers. Oh, il a pris cher. La seule qui reste à convaincre, c'est toi-même. Un grand.
Prévisible. Prévisible, mais... mais cool. C'est une cinématique, apparemment. Hein. Autant pour moi. Allez. Bien, c'est pas ce qu'on est. Boum. Oh. Boum! Recrue prometteuse! Oh non! Non! Et non, 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 tu tombes dans les vapes! Hey. Attention, on va voir la tronche de Bruce! Ah bah ça va, tu t'es bien remis, ça fait combien de temps, 3 semaines que je suis arrivé. Vivant. Wow, vas-y doucement. Je suis fier de toi. Bien joué. Oui, il faudra bosser sur ces évanouissements, mais... c'était bien. En effet. Bien. C'était plutôt génial. Ah. Merci. Oh non, l'icône. Non. Ça gâche tout. Quoi? Pendant tout ce temps, j'ai pensé que c'était moi ton guide et... j'avais laissé tomber. Enfin, ce que j'essaie de te dire, c'est... merci. Oh. Je peux te demander un service. Ah, ça fait très Spider-Man. Colin. Hey. Tu sais que tu n'auras plus jamais le droit de sortir. Oui. Bien. Dorénavant, il n'y a que l'école. Non, pas vraiment, non. Et t'es... sorti sur le terrain. Vraiment? Oh, Abou. Je suis si fier de toi, Beta. Donc il est au courant. Mais on ne dit rien à Ami, d'accord? D'accord. Viens. T'as quelque chose à manger? Bien sûr. J'ai trop faim. Ok. Juste, j'en profite, je baisse un tout petit peu le son. Voilà. Alors, j'ai pas trop baissé. Voilà. Trop court. L'histoire est beaucoup trop courte. Je m'attendais à beaucoup mieux. Troy Baker en Bruce Banner, exact. Je l'avais dit dans le premier épisode, je crois, ou dans le stream, je sais plus. Un peu trop court, l'histoire principale, peut-être. Il a peut-être fallu fill up. J'ai vu aussi que j'avais fait que 50%, on va dire, de la campagne. C'est très fort encore. Ah bah. Autant pour moi.
Hop. Étant maintenant élu scientifique suprême, j'éliminerai tous les éléments les plus faibles. Plus de surprises. Nous pourrons nous concentrer sur nos objectifs, pour une innovation planifiée avec soin. Ne vous y trompez pas. L'AIM est toujours le futur. Du clonage au voyage dans le temps, les possibilités sont infinies. Alors, scientifique suprême, voyage dans le temps, ça fait très penser à... Commençons. Ah, elle fait bien machiavélique comme ça. Hein. Ça fait très penser à Doctor Strange. Clairement. Oh, dis donc. Si ça promet du endgame, c'est cool. Ça fait pas, ça, en plus, ça fait une scène post-générique. C'est assez rigolo d'avoir une scène post-générique. Par contre, 52, 24 FPS dans le... Dans les... Voilà, c'est, vous voyez, par exemple, ça, c'est typique, donc, du jeu, de son utilisation. Commandant Hill, quelle est la situation? Ravi de vous revoir, Cap. J'aurais aimé que ce soit dans de meilleures circonstances, mais nous pensons que l'AIM a un nouveau chef. Quelqu'un qui a des projets ambitieux pour étendre leurs opérations. Est-ce vraiment de l'ambition, quand on a l'approbation du gouvernement et du public? On peut changer l'esprit des gens, Tony. Même si on doit agir illégalement. J'adore briser les règles établies. Le SHIELD se remet lentement sur pied. Mais nous avons plus de renseignements sur les opérations de l'AIM. Ils n'ont pas perdu de temps depuis San Francisco. C'est là que ça devient inquiétant. D'après nos sources, l'AIM mène des expériences sur la technologie de clonage, sur de nouveaux synthoïdes. Et à notre avis, sur l'utilisation potentielle de l'énergie cosmique. Moi qui espérais que le clonage serait le plus inquiétant. Le monde a encore besoin des Avengers, maintenant plus que jamais. Vous pouvez compter sur nous. Bien. Si nos renseignements sont exacts, nous allons avoir besoin d'aide. J'ai des agents sur le terrain quand vous serez prêts. La salle arme est à nouveau opérationnelle sur les points inférieurs. Vous pouvez vous entraîner si nécessaire. Nous avons du pain sur la planche. Alors, selon moi, clairement, le clonage... Je suis au courant. En tant que nouvelle scientifique suprême, Monica Rapaccini dirige toutes les opérations en cours de l'AIM. Le SHIELD pense qu'elle est en train de monter plusieurs projets dangereux, mais dans quel but, nous ne l'avons pas encore découvert. Maintenant que nous avons récupéré les protocoles, en fait du contenu. SHIELD, notre priorité est à présent d'aider le commandant Maria Hill à remettre le SHIELD en état. Les protocoles ont révélé l'emplacement de plusieurs abris du SHIELD, mais aussi des agents de terrain qui ont sans doute besoin de notre aide. J'attends qu'il en finisse. Le reste des abris de Fury se révèle difficile à localiser. Nous pensons que certaines de ces caches renferment des coordonnées qui pourraient nous mettre sur la voie. C'est bon ? D'accord. Donc le clonage va servir, à mon avis, à la réutilisation de certains boss, tout simplement. Ça veut dire qu'on va peut-être revoir l'abomination. On va revoir ce genre de choses. Il y a un intérêt, on va dire, de gameplay à utiliser le clonage. Le voyage dans le temps, peut-être aussi au niveau de MODOK. Donc à mon avis, c'est compliqué de le cloner avec les mêmes pouvoirs, etc. Je suis déjà sur d'autres trucs. Mais il y a une raison, on va dire, à tout ça. Par contre, du coup, cet endroit, je vois pas trop à quoi il sert. Pour le coup. Autant l'autre a une utilité réelle en termes de... Comment ça va, Tony? Pardon. On en parlera plus tard. Mais bon. Terminal des héros. Ouh. Ouh. Donc si je veux, par exemple, je peux dire... je vais prendre... Thor. Ah oui. J'ai vu qu'il avait de nouveaux équipements. Tactigon. Ok. C'est très intéressant. Pourquoi pas. Parce que du coup, voilà. Celui-là augmente l'attaque. Non, celui-là... Pardon, celui-là augmente l'attaque et le niveau héroïque. L'autre n'augmente pas les stats à droite. Regardez, super puissance et bravoure. Compliqué à mettre en place. Mais bon, c'est le but du jeu, entre guillemets. Hein. On a un point de compétence supplémentaire. On pourrait le mettre en spécialité si on le souhaiterait. Ok. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire dans le jeu. Hein. Faut pas croire que l'histoire de base est terminée. Mais ça reste un jeu game as service, un jeu service. Du coup, il y a encore beaucoup de contenu encore à aller voir, à aller essayer.
Et on fera ça à la fois en stream et en vidéo en fonction de ce qu'on... sur quoi on tombera, en fait, entre guillemets, tout simplement. C'est un peu impersonnel, mais je m'y ferai. Attends. Je reste le plus puissant des Avengers. Ok. Attends, t'es en train de me dire que je peux... Le siège vert est moche. Pardon, hein, mais... Thor ? Il est pas là. Où a-t-il récupéré tout ça ? Je l'ai vu, le point. Je peux le faire essayer à tout le monde. Et il le soulève un petit peu. Ah, c'est génial. C'est du détail, mais c'est génial. J'ai envie de l'essayer à tout le monde. Ah, voilà. Essayons Iron Man. Je suis curieux de savoir s'il va utiliser des... On ouvrirait la porte à chaque fois, c'est casse-couille. Allez, hop. C'est cosy. Hop les... Il va utiliser... Un jour peut-être. Non, il cherche pas plus que ça. Bon bah si c'est juste pour les voir essayer, je m'attendais à une animation un peu plus... genre je m'attendais à Hulk qui ressortirait le gros bras, lui qui utiliserait des propulseurs, ce genre de conneries, mais bon, tant pis. Écoutez, on va se laisser là pour cette vidéo, on en a fini avec l'histoire, on verra bien ce qui pourra arriver ensuite. Voilà, je change de chaise si ça continue. M'énerve qu'elle craque tout le temps. Vous l'entendez tout seul tout le temps. Ah là vous l'entendez pas. Ah bah là vous l'entendez. Ah bah voilà. Du coup bonne histoire, peut-être trop courte et malheureusement le jeu trop buggé pour le moment. Clairement c'est beaucoup trop buggé. Il va falloir que ce soit corrigé. Mais au-delà de ça le jeu est plaisant, grisant. Bonjour, Monsieur Stark. Les missions sont bien mises en scène. Surtout la première et la dernière principalement hein, qui sont clairement intéressantes par le fait qu'on change le personnage. À la limite, j'aurais préféré avoir plein de missions comme ça que pour une histoire aussi courte en fait, plutôt que des missions à un personnage. Mais bon, ça reste, selon moi, un jeu qui a un gros avenir. Et j'ai hâte de voir la suite. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et lui il est toujours là, et la vraie question c'est est-ce que lui est toujours une vendeuse ? Vendeuse. Malheureusement. Eh bien écoutez les amis, on se laisse là pour cet épisode, merci de l'avoir regardé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yop !